Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va commencer une nouvelle rubrique qui va s'appeler Ma collection. Donc il y a trois rubriques actuellement sur la chaîne, donc unboxing, armes à feu et la nouvelle rubrique va être Ma collection. Donc dans ces vidéos, je vais vous présenter des parties de ma collection et comme ça, au fur et à mesure du temps, à chaque fois que je ferai des ajouts, on verra l'évolution de ma collection. Et aujourd'hui, dans la première vidéo, on va discuter de la section Sinalcor et on va parler des différentes radios que je possède de la Seconde Guerre mondiale, enfin de la période Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui j'en possède 4. Donc la première radio, on va commencer par le Toki, donc la fameuse BC611 que j'ai acquérie le mois dernier. J'ai mis un temps fou à en trouver un dans un bon état et à un prix plutôt raisonnable, donc avec celui-ci je suis plutôt satisfait. Il est complet, il a sa petite antenne présente, voilà. Donc plutôt en bon état, hein. La peinture est bien conservée, il a sa sangle et sa petite antenne. Donc voilà. La deuxième radio que je possède, et pareil que j'ai rentré assez récemment, c'est la radio BC1000. Donc voilà, j'attends les accessoires. J'ai fait une option là, récemment sur eBay et j'ai l'antenne et le téléphone qui va arriver. Donc celle-ci, pareil, j'ai mis un temps fou à en trouver une à un prix raisonnable. Je suis vraiment content, elle est dans un état plus que correct. Celle-ci est datée, je l'ai ouverte, elle est datée, vous pouvez retrouver la publication sur mon Instagram. Elle est datée de 1945. Donc celle-ci est une fin de guerre et a probablement dû servir après pendant la guerre de Corée. Donc ça c'est la deuxième radio que je possède, époque Seconde Guerre mondiale. Ensuite j'ai un téléphone. C'est qu'elle est derrière, forcément. Voilà. Donc, le téléphone, ça s'accroche, sa petite manivelle là. Et voilà. Bon, celui-là est dans un état un peu plus abîmé. Mais comme j'en voulais un vraiment d'époque et pas une reproduction ou pas de guerre de Corée ou choses comme ça, bah, c'est un peu compliqué de trouver dans un meilleur état. Et voilà. Et la dernière radio dont je dispose dans ma collection, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est la BC654-A. Donc je pense que vous possédez tous à peu près le même livre que moi. Moi, il est en anglais, vous l'avez en français. Donc, c'est cette radio. Et la BC650A, vous pourrez lire, c'est celle qui était utilisée pour les véhicules. Donc, voilà. Et au-dessus, j'ai un transmetteur. Donc, celui-ci, c'est un BC655A. Pareil. Daté de Seconde Guerre. Celui-là est en plutôt bon état. Donc par exemple celui-ci, la radio devant vous est venue avec son moteur électrique et ses câbles d'origine. Donc dans le lot j'avais eu la radio, le transmetteur et son générateur. Ensuite le téléphone, le Toki et la BC1000. Donc voilà, ça c'est les radios que je possède actuellement dans ma collection. Au jour d'aujourd'hui, au niveau radio, je recherche pas grand chose en particulier pour l'instant. Je suis plutôt satisfait avec ce que j'ai. Après, en Sinalcor, ce que je possède aussi, donc le porte radio. Enfin, moi je vais l'utiliser en porte radio, on peut l'utiliser pour différentes choses, mais voilà. Donc celui-là est daté de 45. Je possède aussi
la petite sacoche à outils Signalcore, donc complète. Sa petite pochette en cuir. Signalcore US Army. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en Signalcore? Donc, je vous ai présenté les radios, le porte-radio, le petit kit. J'ai la petite poche à outils. Signalcore US Army. Donc, pareil, complète, avec son petit couteau et sa pince. Donc voilà. Voilà le petit point que je voulais faire avec vous sur où j'en suis à l'heure actuelle dans ma collection au niveau des radios et transmissions de la Seconde Guerre. Donc pour l'instant, ouais, c'est vrai que je possède que de l'américain là-dessus. J'ai pas d'allemand ou de Jap ou d'anglais ou quoi que ce soit. J'ai essentiellement de l'US. Comme je suis aux US, c'est plus facile pour moi de trouver de l'US. Mais voilà, donc ça sera la première partie de la playlist ma collection. Et ensuite, on avancera, on fera les différents. Par exemple, après, j'ai du médic, on fera de l'équipement de terrain, les différents outils, les différentes grenades, choses comme ça. Mais on va essayer de nourrir la chaîne avec différentes catégories de vidéos pour que ça soit intéressant le plus possible pour vous et le plus diversifié pour vous. Donc si vous avez des questions ou des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la page. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre qui vous intéresse de voir en particulier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je fais ça vraiment pour le plaisir, je suis pas youtubeur professionnel. Toutes les vidéos que je tourne sont tournées en une seule prise, je fais pas de montage, pas de coupage, c'est du brut, hein. C'est dans son jus comme on dit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et à très bientôt.